Au revoir. Bon appétit. Tu fais du courant. Qui n'a encore aucune décision quant à une éventuelle riposte à l'attaque irakienne. Mais les premières politiques donnaient à penser que l'État hébreu ne laisserait pas impuni une telle provocation. Reste que côté américain, on s'efforce d'éviter à tout prix une riposte israélienne. Pour Washington, une entrée dans la guerre d'Israël ne pourrait qu'aider Saddam Hussein à transformer sa défaite militaire en victoire politique dans l'opinion publique arabe. En attendant, après une deuxième nuit de raid, ferme, bien ta culasse. Après, tu mets sur l'épaule. Puis, bien fort, et t'appuies la joue contre la crosse. Bien. Et ensuite, tu dois avoir l'œilleton. Dans l'œilleton, tu dois avoir le point de mire, là. Petit. Là. Shoot! Sur la guerre du Golfe, plusieurs heures après l'attaque irakienne sur Tel Aviv, Israël n'est toujours pas engagé dans le conflit. Le cabinet est toujours réuni autour d'Itzhak Shamir à Jérusalem. L'attaque au missile Scud a fait, je vous le rappelle, 12 blessés. Voici les premières images de cette attaque qui s'est produite à 1h du matin. Nathalie Etter. Tel Aviv, la nuit dernière, l'offensive irakienne vient juste d'avoir lieu. Au total, une dizaine de missiles Scud a été larguée. C'est la panique générale, même si les missiles ne sont pas chargés d'ogives chimiques. Quatre personnes ont pourtant trouvé la mort, asphyxiées par leur masque à gaz, et plusieurs quartiers sont presque entièrement détruits. Ce matin, la communauté...